Bonjour à tous, c'est Furissa. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA Online. Donc, avec la mise à jour, il y a une nouvelle voiture qui, pardon, qui a acheté. Donc, c'est la Vectre. Attendez que je retrouve. C'est l'Empereur Vectre. Donc, on va y aller voir. Donc, moi, j'ai déjà acheté. Donc, hop. Du coup, alors, c'est dans Legendary Motorsport. Dans, bah là, vous voyez, c'est l'Emperor Vect. Donc, voilà, elle coûte, si vous avez les tarifs spéciaux, 1 338 750. Et son truc spécial, c'est 1 785 000. Donc, moi, je l'ai acheté. Il est arrivé. Il est là. Du coup, hop, on va aller la modifier. Allez, c'est parti. Ah, mais il se fout de ma gueule, lui. Il a tourné au moment où je passe. Cet abruti là. Allez, c'est pas grave. On s'enfile de mode. On va voir déjà l'intérieur qui est comme ça. Du coup, voilà, on va rentrer dans l'atelier. Ah, il y a quelqu'un. C'est pas la mienne. C'est pas la mienne, celui-là. Du coup, voilà. Un nouveau véhicule. Hein. Voilà. Option. Et on la modifie. On va voir s'il y a des beaux trucs. Déjà, elle est belle comme ça. Alors, blindage. Bien sûr, on va le mettre à fond. Les freins. Freins de course. Pare-choc. Pare-choc avant. Déjà, rien de serré, elle est belle. C'est beau. Attendez, déjà. Ah non. Hop, on va mettre la peinture. Couleur principale. Métallisée. On va mettre en rouge Torino. Couleur secondaire. Métallisée. En jaune Racing. Pour l'instant, il n'y en a pas. Couleur finition. On va mettre jaune Racing. Voilà. Couleur détail, on va mettre en rouge. Rouge Torino. Voilà. Emblème, on le met. Hop, voilà. Donc voilà. Alors. Donc le frein, on l'a fait pare-choc. Voilà. Pare-choc avant. Ah ouais, pas mal comme ça. Ah. Il y en a des pas mal quand même. Ou il tire la langue, on dirait. Ouais. Ouh, pas mal comme ça. J'aime bien. Ça fait un style. Comme ça fait un style. On va mettre comme ça. Pare-choc arrière. Alors. Ouais. Couleur secondaire. Ils sont pas mal aussi ceux-là. On va mettre celle-là. Hop. Alors, moteur. Bloc moteur. Entrée d'air couleur 2. On va faire ça. Hein. On va mettre ça. En carbone, de toute façon, ça. Protection. Arc. Comme ça, est pas mal. Avec des deux couleurs dessus. Ah, pas mal comme ça. Protection Rhino. On va mettre celui-là. Barre anti-rapprochement. Ben, pareil. On va mettre celui-là, le dernier. Réglage moteur. On le met à fond. Ça, c'est bon. On va voir si. Ouais, c'est bon, je l'ai fait. L'échappement. Alors.
Alors, oh, ah ouais, ceux-là sont magnifiques, ceux-là. Je vais prendre ceux-là. Les ailes. D'accord, c'est sur le côté. Ah, comme ça, c'est beau quand même. Non, pas en carbone. On va mettre comme ça. Ils sont pas mal comme ça aussi. Visière de phare. Phare, protection phare couleur 1, couleur 2, phare rouge. On va mettre phare jaune. Ah non! Ah mince! Ah tant pis, je vais retourner. C'est pas grave. Allez, on va remodifier du coup. Je me suis carrément loupé là. Du coup, on en était. Visière de phare, ça c'est bon. Capot. Accessoire capot. Non, on va mettre. Ah. Ça c'est quoi? Capot avec protection GT. On va mettre comme ça un peu de noir, ça fait pas mal. Le capot. Alors, faites-moi avoir le capot. Non, il nous faut avec le prise d'air. Oh, comme ça, pas mal. Ouais. Comme ça. En rouge. Voilà. Ça, c'est bon. Klaxon, on s'en fiche. Habitacle, tableau de bord. Bon, voilà. On va mettre comme ça. À bloc, portière. En alu. Tressé carbone. Allez, les sièges, ben là, on va mettre baquet. Ah non, en rouge plutôt, pas vert. Voilà. Volant. On va mettre le pro. Arceau de sécurité. Ben, ça, on va le mettre à fond, à bloc. De toute façon, ça change pas. Non. Ok. L'éclairage. Phare. Phare jaune. Hop. Pas grave si j'ai payé cher. Kit néant. Support néant. On met tout. Couleur. On va mettre le crew. Motif. Tu vois si. Ouais. Ah, comme ça, tu vois, ça fait pas mal comme ça. T'en fais voir. Ah, mais il y en a deux aussi. Ouais, tant pis. Alors, prévention rétro. On va mettre. Ah ouais, ils sont pas mal avec les deux couleurs là. Allez, hop. On va mettre comme ça. Plaque. Bah, on met ma plaque. Hein. Peinture, ça, on l'a fait. Le toit. Accessoire de toit, fais voir. Petite antenne. Il est où l'antenne? Ah, c'est là. D'accord, ok. Je me disais, qu'est-ce qui. Ah ouais, c'est comme ça, ok. Ah, petit aileron comme ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas tout complet là? Ah non, aileron de course. On va mettre l'aileron de course. Le toit. Tanguy 2. Allez, on va mettre comme ça. Voilà, bas de caisse. Ah, c'est là. On va mettre celui, pas celui-là, celui-là. Hop. Séparateur, c'est où ça? Ah, c'est là, ok.
On va mettre quoi? Comme ça est pas mal aussi. Allez, on va mettre comme ça. Aileron. Un noir petit carbone là, comme ça là, c'est pas mal. Mais on va mettre bas, mais carbone comme ça. Comme ça fait la touche noir et jaune là, c'est pas mal. Parce qu'après ça c'est trop gros ça. Par soleil. La couleur 2. Suspension, on la baisse à fond. Transmission, on la met à fond. Turbo, on le met bien sûr. Roue. Type de roue. Non. Ça, on s'en fiche. Les pneus. Apparence, non. Ah. Amélioration des pneus. À l'épreuve de balle. Hop. Ah, ça, on peut pas. Donc, on va mettre rouge. Non, on va mettre jaune. Voilà. Voilà. Pardon. Vite. À bloc. Et voilà. Donc, maintenant, on va aller l'essayer. On va l'essayer. Allez, c'est parti. Quitter. En même temps, on va aller la ramener dans le garage. Pas mal, pas mal. Elle est vraiment pas mal cette voiture. J'adore comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ah, j'étais trop loin. Les roues, c'est dommage, ils sont un peu penchés. Ah, c'est là. Donc voilà. Donc sur et là, le véhicule, ils se sont inspirés d'une Lexus. Je vais vous dire ça, que je m'appelle. Voilà, elle s'inspire d'une Lexus RCF, donc ce qui est pas mal. Et voilà comment elle est. J'adore. Elle est vraiment belle celle-là. Je vais la mettre dans l'autre. Non, allez. Du coup, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. À laisser un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. À partager et à commenter. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!